Tu sais ce que c'est un flic, le nouveau? Un flic, c'est un esclave. Un robot à qui on inculque de ne pas réfléchir. C'est les politiques, les vrais sectaires. Le maire restait dans son bureau à nous dire qu'il faut qu'on change de méthode. Le seul moyen de la virer, c'était d'augmenter la criminalité. Maintenant, les flics vont pouvoir reprendre les vieilles méthodes. Tu vois pas que c'est mieux pour tout? Bon Dieu de merde, c'est sacripant! Quoi? T'as retrouvé le chat disparu, Trouduc? Les potes de la liberté, on tient le chef de la police, au dernier étage! Que dire, vous me tenez par les couilles. Ou presque. Vous savez, tous les prisonniers qu'on a ici ne sont pas noirs. On en a aussi un blanc. C'est un piège! Je suis désolé, mais vous ne me laissez pas le choix. Il tient encore la forme! Malgré tous ses sandwichs bouets! Il s'appelle Jared! Et il tient encore la forme! Hé, les enfants! Vous voulez des bonbons? Oh merde, c'est Jared! Ne m'en voulez pas, mais je préfère ne pas regarder ça. Ok, combat contre Jared! Le pédophile! Oh, j'adore les visites conjugales! Ouais. Prends douceur! Ok, je vois le délire, je vois où tu veux venir. On va se calmer, les gars, d'accord? Ça vous dirait de voir mon célèbre 30 cm? Ouais, ça te dirait de voir ça vite fait ou pas? Dis-moi tout. Parce que je suis avant tout ninja qui maîtrise les arts martiaux à moitié cyborg. Tu joues les anguilles, hein? Tu vas crouler sous le mauvais karma. Si je fais ça, par contre, je prends sa place. Est-ce que c'est ouf? C'est pas ouf. On va se mettre ici calmement. Manœuvre d'attaque initialisée! Ouais. Par contre, on peut faire ça finalement. On peut faire ça, histoire que la tourelle l'attaque. Ça me paraît cool. Il me paraît pas difficile. J'attends de voir ce qu'il va faire. Oh, on dirait que t'as besoin de manger. Micro-agression. Ah. Frappe-le. Ok, un coup gratuit, nickel. Heureusement qu'on a débloqué les micro-agressions. Quoi? Wow. On se calme, les gars. On se calme. Pour reprendre les affaires. C'était compliqué là ce qu'il a fait. Ok, il est invulnérable. Ça te dérangerait pas trop de me battre avec des vieux? Mais affronter tout le poste contre, de police pas invulnérable au choc. C'est risqué quand même. Donc on va lui coller stérile. S'écarter de la loi, Twig. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Il est pas invulnérable non plus au saignement. C'est plutôt cool. Alors, lequel de vous veut jouer au docteur avec l'oncle Jared? Là, je lui mets un maximum de trucs super chiants, les gars. Voilà, ça c'est pas mal. Bon sang, Mysterion, c'est à croire que tu... Je dois avouer que vous êtes coriace. Mais voyons comment vous vous en sortez face à... Messida. Merde, les Sida avoir notre peau. Hey, vous croyez que c'est facile de faire la com' de Monsieur Fogel? Ça fait deux ans que j'ai pas dormi. Soutien individualisé en diététique alimentaire. Oh non. On va s'occuper de ces gamins pour vous, Monsieur Fogel. Je crois savoir comment m'occuper d'un gamin, merci. C'est compliqué, mais on peut le faire. Allez, on va lui mettre ça. Ça lui inflige un gros reculement. Une grosse repousse, pardon, reculement, ça ne veut rien dire. Oh, c'est pas mal, ça attaque les deux, faut tuer le healer impérativement, les gars. Si je tue pas le healer, c'est terminé pour nous. Ah, c'est frustrant, pas d'enfant à portée de main. Aïe, aïe, aïe. Merde, on a perdu un pote de la liberté. Ah, mais dur. C'est bon. Ok. Oh, je perds mes fluides. Ok, donc tous ceux qui sont sur cette ligne. Très bien. On va faire ça. Ça me paraît pas mal. Faut impérativement tuer le leader, les gars, encore une fois. Pas trop le choix maintenant. Ça me paraît être la meilleure technique aussi. Je sais pas si on va s'en sortir, si on va y arriver du premier coup. Ultime prêt. Ok, c'est pas grave. Là, il peut pas soigner son pote parce que je l'ai bloqué. On va essayer de profiter de l'occasion. Vivement ce soir qu'on se couche. Super méca en ligne. Bon. Compliqué, hein. Compliqué. Non, l'ulti est pas intéressant. On va plutôt faire ça.
Super tornade enclenché. Ouais, on a le dessus. Ok, les aucun gars. Souci. Ah bah là il peut pas attaquer, ça sert à rien. Faut que j'arrive à trouver une astuce. Ah d'accord, expiré. Ok, ça je savais pas par contre. Qu'est-ce que c'est? Ok, ça c'est pas intéressant. Est-ce que finalement... ça serait pas le meilleur coup de faire ça? Vous voulez voir si on peut tous tenir dans mon pantalon d'avant? Je pense qu'on va faire cette attaque. Ça me paraît être la meilleure. Pas ouf, mais bon. On s'en fait okay, attention. Sans défense. Si tu aimes les sucettes, cherche dans ma poche. Oh, dur. Ok, ralent. Oh, dur. Oh, ouais. Oh, ouais. Oh, dur. Cette attaque est tellement redoutable. Ouais, mais tétons. Ok. C'est mon tour! Ça, ça me paraît pas mal. Allez, c'est parti! On va se débarrasser de Jared. Ça me paraît être la meilleure solution. Normalement, ça devrait être la fin. Aucun souci. On a perdu quand même 2-0. Les potes de la liberté gagneront! Allez, ça c'est fait. Tu as gagné, victoire. Ça mène direct à la victoire. On peut continuer. Shaker de jeunesse. Oh, vas-y, régale-moi, c'est ça, allez. C'est bon, bientôt encore. Les flics, qu'est-ce qu'ils font des gens qui sont arrêtés? Ah, et comment je le saurais? Moi, c'est les sandwichs. Le nouveau, mets-lui dans la face. Non, non, pitié, je suis désolé. Je vous dirai tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que cache le chef de la police? Il y a d'autres cellules au sous-sol. Les flics empruntent cet ascenseur. Les prisonniers y descendent, mais ne reviennent pas. Après toi, le nouveau. Non, c'est bon, qu'est-ce que j'en sais? Si, si, je les ai vus le taper. C'est 1-4-7-7. Pitié, je suis désolé. C'est juste que j'aime être avec des enfants parce que j'ai pas vraiment eu d'enfance. Ouais, c'est ça. J'aime toucher les enfants parce que j'ai pas eu d'enfance. La décision t'appartient, le nouveau. Être super-héros, c'est aussi savoir décider dans des moments comme celui-ci. Ok. Suspense. Le gars, c'est un pédophile. Si je peux lui chier à la gueule, je lui chierai à la gueule. Allez hop, je parle pas. Waouh, mec, c'était hard. Bon, on peut pas dire que c'était super agréable. Je sais qu'être un vecteur de maladie, c'est plutôt mon truc, mais là, je me sens crade. Il faut qu'on fasse quelque chose du corps. Ok. On s'est débarrassé de Jared, les gars. On peut y aller. Il a essayé de nous prendre pour des cons. Il a fait une grave erreur. Tu t'es bien battu, le nouveau. C'est important d'être magnanime envers les vaincus. Ah, mais il est où? Il est où, ce... Ah, mais il est là, voilà. Allez, c'est parti. Servir, protéger. Bang, bang. Servir, protéger, bang, bang. Allez! C'est exceptionnel, Kun. Dès demain, nous serons un nouveau ennemi. Mettons de côté nos mesquines différences, Mysterion. Les vies des Noirs comptent. Ouais, patate. Il faut qu'on entre et qu'on désactive l'alarme. Ok, c'est bien obscur tout ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, que c'est ramène-toi! D'accord. Ok, ok. Waouh, ça devient vraiment craignos. Pas d'autre solution, faut descendre. Ceux qui comprennent l'anglais. J'ai un mauvais pressentiment là. D'accord, mettez pause, hein, les gars. Ok. Plus rien à faire ici. Ah ah! L'artefact de police, j'ai déjà. Peut-être ça, non? Mais attendez, je suis con. Je suis totalement con. Ça arrive, les gars, hein, ça arrive, sur un malentendu, vous savez que voilà. Bah oui, je suis totalement bête. Pourquoi allez-vous me dire? Tout simplement parce que je peux créer. Je peux créer tout ce que j'ai besoin, finalement. Et il me faut un truc de Moïse aussi. Ah, je peux plus faire du Moïse. Aïe, 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 il me faut des nouilles. Dur. Coup dur, les gars, coup dur. Ok, qu'est-ce que je voulais me faire? Bon, on va se faire des costumes calmement, les gars. Ça rapportera de l'XP. Voilà. En plus, c'est plutôt cool. Prochain épisode, si jamais il y en a un, on saura quoi se mettre. Ok, allez, régale-moi. Oh là là, tout ce qu'on se fait, les gars, en tenue. C'est beau, ça. Ok, c'est allez. Le nouveau, trouve la clé, vite! Oui, les gars, je m'en occupe, bougez pas.
Est-ce que par hasard, on va pas changer de costume parce qu'on est quand même dans un nouvel épisode, finalement, avec un petit peu de retard. Il n'y a jamais trop de retard. On va mettre ça avec son costume complet. Et ben voilà, on a un beau super-héros là. Allez, on peut y aller. Bon. Bougez pas, faites-moi rêver. Et bienvenue pour ce nouvel épisode, hein, au passage, les gars. Faut bien couper en deux au bout d'un moment. On va passer par où? Par ici, peut-être. Ok. Et là, il y a quoi? Il y a un coffre. Je l'ai vu, mon ami. Ok, c'est bon, on a la clé. Chargement, tiens donc. Hein? Qu'est-ce que c'était? Eh oh! Y a quelqu'un? Non, je crois qu'il y a personne. Sinon, on m'aurait répondu. Bon, ben... Il y a que toi et moi, le chat. Personne ne nous trouvera ici. Allez, donne-moi ça. Arrête! Reste tranquille! Ah, c'est pas vrai! Le chat s'est barré. Ah, on n'y voit rien, ici. On dirait que le chat est du côté des produits toxiques. Ah, c'est pas bon, ça. J'espère que ce ne sont pas les produits toxiques dont je parlais qui viennent de se répandre sur le sol. Oh non, je crois qu'ils étaient... Merde! Si ces produits se mélangent sur le sol, ça va produire un gaz qui va me tuer en quelques secondes. Et merde, voilà le gaz! Oui. Il est clairement en train de me tuer! Ah! Oh. Le ciel soit loué. Le ventilateur d'extraction aspire le gaz toxique. Ah, je vais pas mourir. Bon, où est passé ce foutu chat? Oh non, je crois que le chat a sauté dans le ventilateur d'extraction et l'a coincé. Le gaz remplit la pièce et recommence à me tuer. Je recommence à mourir. Les sous-secours ont l'air d'être fermés. Oui, elle est fermée. Je suis coincé ici. Il faut que je trouve la poignée de porte à tâtons. Oui, la voilà. Ah, je suis sauvé. Ah, bon sang, la porte est verrouillée. Je suis coincé ici. Quelqu'un, à l'aide. Je vais mourir asphyxié. Je meurs vraiment cette fois. Sérieusement, je me sens partir. Ah, c'est atroce. Au secours! Pour l'amour du ciel, s'il y a quelqu'un qui m'entend là, faites quelque chose! Je suis en train de mourir, je meurs, c'est... Un instant! Je crois que je sens l'interrupteur. Avec mon dernier souffle, je... vais... allumer! Allez, ça c'est fait! Putain qu'ils étaient lourds! On est parti! Au début, je croyais que ça avait carrément bugué. Les gars, on n'est pas surpris, hein, de nos jours. Qu'est-ce qu'on a là? On a ça, on peut appeler... Là pour avoir une correspondance, on va l'utiliser d'ailleurs de ce pas. Oh bordel, vas-y, c'est pas toi qui as fait arriver. Tout ça, si, le nouveau. Viens ici, mon beau. Allez. Entre là-dedans. Allez, boum. Oh wow. Ok. Ok, je me tire là. Je sais pas trop ce que j'ai fait, normalement c'était la porte. Normalement c'était la porte. Ok, il n'y a pas de yaoi. On est bon, les gars. Il y a un cadenas ici. Verrouillé, je peux pas l'ouvrir. Ah mm-hmm. D'accord. C'est verrouillé, c'est la sableuse qui pourra m'aider. Ah, ok, j'ai compris. Si j'arrête le temps, ça fait quoi? Ok. C'est pas mal. Maintenant, on va ouvrir. La sableuse pour pousser le chat qui est bloqué. Ça va activer l'aération, ça va retirer le gaz, aucun problème. Boîte à outils là. Vas-y frérot, fais-moi rêver. Allez. Joli. Voilà, c'est parti très très vite. Oh le pauvre chat. J'espère que c'était pas si sacrément. Non, c'est bon, c'était pas le cas. On sait pas où il va, hein, parce que s'il y a un plafond. Mais... Ok, il a pris ce qu'il méritait très clairement.
Alors finalement ça servait à quoi de rentrer là-dedans? Attendez, bougez pas. Ok. Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que t'as trouvé le nouveau? Ah d'accord, bah oui, il est soulevé, forcément. Viens maintenant, destroy. Ok, vas-y, on va arriver. Excellent travail d'enquête. Ah, c'est tout ça pour la grosse clé dure. Allez, c'est bon, là. C'est allez, parti pour le boss final. Normalement, tout va bien se passer, laissez-moi passer. C'est fini pour eux. Laï, laï, Shep Niggurath, le bouc noir des forêts. Béni soient tes fidèles serviteurs, les destructeurs de la lumière. Laï, laï, Shep Niggurath, bouc noir aux mille chevreaux, que sombre la lumière et que s'éteigne le soleil. C'est bon, lâchez-le. Non! Chef? Ok. Il suffit que des flics sacrifient des Afro-Américains à un ancien dieu pour se faire taxer de raciste. Shep Niggurath est un dieu extérieur, les enfants, qui doit être apaisé et dont la venue a été prédite par le grand H.P. Lovecraft. Mais je suppose que H.P. Lovecraft était raciste, lui aussi. Oh putain, il l'était vraiment? Genre raciste comment? Super raciste? Yo, v'là mes potes! Sortez-moi de là, ces mecs craignent trop! Finissons-en! Très bien, vous voulez vous battre, les mioches? Je suis partant. Allez, on est parti, les gars! C'est sûrement le boss ou l'un des boss finales. Ok, ah, on en balance un autre. Mecs, hein. Oh putain, moi je me tire. Oh non, pas elle! Oh, c'est bon. Oh, fais chier! Non, la toute mère ne supporte pas la viande blanche! Chef Niggurath, c'est parti! Vache! C'est que ce bordel. La mort approche, il faut filer! La toute mère exige de la chair noire! Toi, nourris avec de la chair blanche. Et alors, même pas peur! Mort aux incroyants! Ne montre aucune faiblesse! Ok, j'ai mon idée. Pas de soucis. Pas de soucis, les mecs. Bon sang, va falloir nourrir le boss. Ouais, attendez. J'ai fait une grave erreur. J'aurais pas dû parce que je crois que ça va me tuer. Voilà, bon, on va faire des sorts histoire de faire des sorts, même si c'est pas trop utile, je pense. Oui. Malédiction! Laissez passer Mysterion. Ok. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Voilà. On va faire quelque chose d'intelligent. Je vais changer de place avec lui au dernier moment. Je vois que ça. Ok, c'est parti. Ça vous dit quelques bières après ça? C'est parti, on change de place. Bon bah je vais sacrifier le frérot. C'était pour ton bien. Et le mien. Aïe. C'est plus drôle du tout. Vous n'avez aucun... Épargne tes serviteurs. Allez, c'est terminé. Vive tes ennemis, oh, au chef noir. 9999. Oh, cette saloperie de bouc a pondu. Oh, c'est terrible. Qu'est-ce que c'est? Ok, faut encore que je la nourrisse. Ça. Si la chèvre noire veut que je saigne, qui en soit ainsi. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le reculer? Et si je tape ça, qu'est-ce que ça fait? Ah, mauvaise idée. Tu as croisé le chemin du mauvais CM1 immortel aujourd'hui. Ça va. Ok, ça permet de reculer. Manœuvre d'attaque initialisée. Je vois. Et ben on va faire ça. Super tornade. Voilà, comme ça, super ça recule. Super tornade terminée. Ok, il est dedans.
Hop. Oh la vache. Oh, ça va crocher le bordel. À chaque fois qu'ils se nourrissent, en fonction des HP qu'ils ont. Très bien. Ça retire les HP qu'ils ont quand ils s'est nourris. Ok, 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 à terre, ok. À terre. Très bien. Non, personne ne fera de mal au bouc aux mille chevreaux. Je vais te protéger, grande divinité. La mort approche, il faut filer. Bon, messieurs, va falloir que je m'en aille très rapidement. Allez, c'est pas grave, on va faire ça comme ça, j'ai pas trop le choix de façon en soi. Je vais essayer d'amener l'inspecteur, on a pas trop le choix. Prépare-toi à mourir pour rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça. Ouais, ça me paraît vraiment pas mal. Allez, on fait ça. C'est parti. Bon, là, je vais perdre le frérot. Super méca en ligne. Mais je pense qu'on peut le faire. Ah, putain dur. Ah, c'est bon, je peux le faire sur l'inspecteur. J'ai perdu le frérot, les gars, mais c'est le prix à payer, je pense. C'est le prix à payer. Oh, puissant Chapnigorat, toute mer aux mille chevreaux. On est bon. Ça vite fait, bien fait. Donc là, il tue l'inspecteur, normalement. Du moins, il l'indigère. Votre mort va plaire à Chapnigorat. Et j'ai perdu, bah, mon héros. Hey, c'est bien triste. Allez, ça les a tous taclés. Normalement, l'inspecteur va se relever, hein, les gars. Ouais, voilà, il se relève. Ça, c'est terrible. Ça se passe pas spécialement comme prévu. Mort aux hérétiques. Ouah, il s'est relevé normal. Ah non, à genoux devant Chapnigorat. C'est là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire un petit... J'en ai besoin plus que moi. Voilà, ça me paraît pas mal. Bon, un HP, c'est ça? 20 HP. Oh, dur. Dur, dur, dur. Dur, dur. Par contre, est-ce que finalement... Oh là 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 là, j'ai que ça. J'ai que ça, les gars. On va se le mettre quand même. On va la bouffer, on va voir ce que ça va donner. Je connais pas la suite du combat, ça risque d'être assez terrible. Je crois que ces vilains vont goûter à la puissance du Super Mega Mark 3. Mm-hmm. Mauvaise idée si je fais ça. Bon, c'est compliqué cette histoire, les gars. C'est compliqué. À moins que... J'inverse avec le poteau pour se mettre à l'abri. Et maintenant? Ou alors, je mets ça là. Ça va le repousser, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ça. Faut que la tourelle le voie, s'il te plaît. C'est bon, elle tire. Ah non, elle tire pas sur... C'est une atteinte à ma liberté de culte. Ah mais non, c'est notre poteau qui est blessé derrière, dur. Ok, c'est un coup dans le vide. C'est pas grave. Allez-y, attirez le soleil et la lune sans moi. Ouais, bon, c'est pas grave, ça fait pas masse dégâts. Je veux bien prendre le coup. Ok. Si je ne suis pas ton pire cauchemar, j'espère le devenir. Non, ça surtout pas. Ça surtout pas non plus. Ok, on va faire ça. J'inflige pas mal de dégâts avec ça. Au boss, apparemment. Mysterion, c'est à croire que tu t'es entraîné. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Peut-être raise. Hein. Ok, on va raise le frérot. Voilà. Et grâce à ça, on va pouvoir faire quelque chose d'incroyable. Bah, c'est ce heal, tout simplement. Je déconne même pas. Allez, vas-y. Sois mon meilleur pote. C'est l'heure de la douche. Ok, c'est pas mal. Tiens, soigne-toi. Faut faire attention. Mise à niveau de Super Mecha prête. On va faire ça. Attention, tu perds ton âge. On va faire ça parce que j'ai ma petite idée. Voilà, ça arrive quand on est à moins d'un kilomètre de moi. Là, ça va le repousser avec l'explosion. Voilà. Double impact. On apprécie, bien évidemment. La bête va attaquer.
Aucun problème, elle a vu personne. Il lui reste plus qu'un tour. Allez, ça tacle, c'est parti. Hein. Ça va direct en enfer. Ok, le boss est bientôt fait. C'est parti suivant. Dernière phase sûrement. À terre, à terre. Ouais, forcément. La mort approche, il faut filer. Oh, c'est pas mal ça. Ça allait à mon avantage, j'y croyais pas. C'est à moi. Ok, on va se mettre là calmement. Ah, attends, non, on peut même faire... On peut même être beaucoup plus malin. En faisant ça. Ah, de pitié. Voilà, ça c'est cool. Ensuite, on va mettre le frérot à l'abri. Et on va faire ça. Pas mal du tout non plus. Lui, malheureusement, il va mourir. Il va juste mourir. Voilà. On va mettre plus de soins, mais bon. J'ai juste ce qu'il faut. C'est terminé, c'était un sacrifice. Au pire, je le reste tout à l'heure. Je te tiens. Pas trop de soucis. Et là, on va pouvoir mettre les trois là-dedans. Protéger l'innocent, appliquer la loi. Allez, on est très très bon. Attendez, je peux même être un peu plus malin et l'emmener vraiment en enfer. Allez, c'est parti, on va attendre. C'est la meilleure technique que je vois. Je voyais pas mieux. Et c'est parti. Par ici. Allez, aucun souci, ça embarque tout le monde. Toi, je sais pas, mais moi, ça me va. C'est terminé. Oh putain, il y a le frérot Naruto là qui est au fin fond de sa vie. Là, il y en a des nouveaux qui vont arriver. Ça va être compliqué aussi. Ok, dernière phase, les gars. Dernière phase, c'est totalement pour nous. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire de spécial. On peut rien faire, peut-être si. Soigner le poteau ici. C'est vrai que j'ai aucune personne qui a un sort de recul, ça c'est bien dommage. Ça peut créer un petit souci, un petit malaise. J'ai besoin d'un bon montant. Ok. Hop, lui on va le congeler. J'y veux une glace. Au moins il n'attaquera pas. Je sais pas du tout ce que va donner l'issue de ce combat. Ouais mais là les gars, c'est compliqué hein. J'ai rien qui... J'ai rien qui inflige recul. Donc je vois pas trop. Maudite en fait. Soit cette magie. À mon tour de m'éclater. Ouais. Allons, on va mettre ça ici. J'ai rien les gars, j'ai rien qui peut faire reculer, c'est un peu dommage. La bête va attaquer mais ça sert à rien. Et t'assure. Donc ça va être un tour à vide. Voilà. Bientôt nous gèlerons tous dans la nuit éternelle. Oh. Aïe aïe aïe. Vu qu'il est gelé, il peut pas attaquer. Hé, laisse-le tranquille. Je t'ai bien en dégâts. Bon. Je vois pas. Hein. Ah si. Ok, on va faire ça. Tu l'as refait moi, mec. Ça va m'enlever un HP, mais au moins. Je sais pas du tout ce que ça fait. Gros bordel. Là, ça va cogner. Aïe 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 aïe. Faut vraiment que j'arrive à nourrir la bête, mais Wonder Tweak. Putain, mais comment faire? Ah ouais, je peux pas passer les gars, vous êtes tellement lourds. Bon, on va faire ça. On va faire ça, c'est pas grave. Il y aura un nouveau qui va arriver. Faut que je fasse un passage, sinon on n'y arrivera jamais. Ouais, c'est terrible les gars, c'est terrible, j'arrive pas à amener là-bas. Voici tu peux voir. Compliqué. Voilà. Trop de pression. Voilà. On va mettre ça ici aussi. Conduite de tir en ligne. Allez, c'est bon. Il était temps les gars. Je crois qu'on n'y arrivera jamais. Ça c'est fait, je sais pas si ça va le tuer par contre. Oui, c'est bon, ça le tue. Ça le tue, aucun souci, j'ai l'ulti.
Ah, désolé pour cette phase qui a duré un peu trop longtemps, à mon goût. Terminé. Salut, enflure. Allez, tu as gagné victoire contre cette bête atroce. On est parti, 5$, c'est pas mal. C'est mieux que rien. Et v'là l'XP. Je pense sincèrement que c'était peut-être le boss final. La bande, on a réussi. On a Sacripant. Ouais, c'est génial. Sacripant. J'arrive pas à croire que vous ayez réussi. Grâce à vous, je vais enfin me sentir en sécurité dans cette ville pourrie. De rien, mais vous êtes qui? Oh bon Dieu, les mecs, on a $100 pour lancer notre franchise. Les putains de Koon et sa bande. Bordel, les mecs.